Kia ora nā whahua tātou e te wharereira i te ienei pūpū. Maruru mai te e te pahonora i te ienei titaura. Ia tua tapapa tātou i te ienei tāpura upa hopea o tā tātou i weiso mai no te ienei pūpū. Kia ora nā e te mono pre te tini. Kia ora nā e whātere hau. Kia ora nā e te mōpapa e wea. Kia ora nā te whea mate i te mei. Tēnā tua te porau no te arofa. Te e tapura e toe nei, te tapura hanere toru ohuru e mahitu. E te aninei au i te hoe roto i a Therese Tane o François Tama. Ia tai au mai, Therese Tane ti au era. Kia ora nā Britini, kia ora nā Tmuf Atri Hill, kia ora nā tātou porua i amui mai tēnei mahanai o te au mai. Alors, par lettre numéro 1255 DRCL du 28 octobre 2011, le commissaire de la République soumis pour avis à l'Assemblée de la Polynésie un projet de décret fixant pour les années 2009 et 2011 la quote-part des ressources du budget de la Polynésie destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation. Cette saisine se fonde sur l'article 52 de la loi organique numéro 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie, qui prévoit que cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 15% des dites ressources, est fixée par décret après consultation de l'Assemblée de la Polynésie et du Conseil des ministres de la Polynésie. En l'état, le projet de décret présenté ne peut donner lieu à un avis favorable de notre Assemblée. Au titre de l'année 2009, le décret numéro 2009-1467 du 30 novembre 2009 avait fixé le taux de la quote-part à 17% et l'assiette provisoire après déduction à 102 135 566 692 francs. Pour rappel, ce décret avait fait l'objet d'un avis favorable de notre Assemblée sous réserve d'une correction mineure sur le montant de l'assiette de prélèvement pour l'exercice 2007. Le présent projet de décret confirme ce taux de 17% établi dans son annexe 1. L'assiette définitive à 86 974 803 942 francs, ce qui représente une quote-part à verser au fonds par le pays de 14 785 716 670 francs. Toutefois, après vérification par les services financiers du pays, il s'avère que le montant de l'assiette est erroné en ce qu'il en met. D'une part, les produits sur exercice antérieur relatifs à la taxe sur les jeux pour un montant de 94 880 462 francs et d'autre part, de retrancher les admissions en non-valeur de créances fiscales pour un montant de 56 477 782 francs. L'assiette définitive du FIP pour 2009 doit donc s'élever à 87 013 206 622 pour une quote-part fixée à 14 792 245 125 francs. Au titre de l'année 2011, le projet de décret propose de maintenir le taux de la quote-part à 17% et de fixer en annexe 2. Sur la base des recettes prévues au budget 2011, l'assiette provisoire de calcul du FIP à 87 950 885 995 francs. La quote-part du pays s'élève à 14 951 650 619 francs et supérieure de 1 762 331 260 francs à l'assiette retenue pour 2011 sur la base des recettes recouvrées en 2010. D'emblée, le montant de cette assiette provisoire comporte également des erreurs. Il convient en effet, d'une part, de remplacer le montant prévisionnel de la taxe d'environnement pour le recyclage des véhicules par 180 834 500 francs au lieu de 180 835 000 francs. Et d'autre part, de retrancher les admissions en non-valeur pour un montant de 1 360 millions de francs. Sur cette base, l'assiette provisoire du FIP pour 2011 devrait donc s'élever à 86 590 885 495 francs. Il est utile, toutefois, d'attirer l'attention de l'État sur les termes de l'article 52 de la loi organique statutaire qui dispose, dans son premier alinéa, que le fonds intercommunal de péréquation reçoit une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget général de la Polynésie.
En vertu du principe de sincérité budgétaire, lorsqu'il est avéré que les recettes fiscales inscrites au budget primitif ne pourront être réalisées, une modification budgétaire est obligatoire. Logiquement, le versement au FIP qui lui est proportionnel doit être ajusté en conséquence. Cette position, dictée aussi bien par la lettre même du premier alinéa de l'article 52 du statut que par les difficultés budgétaires et financières du pays, impose donc de fixer l'assiette de calcul des FIP pour 2011, la base des recettes fiscales réellement perçues, et de prendre en compte les réajustements de recettes fiscales opérés en cours d'exercice au travers des délibérations budgétaires modificatives. En outre, le conflit d'interprétation sur le terme perçu, qui oppose les autorités de l'État et celles de la Polynésie depuis 2010, n'est toujours pas tranché. Le Conseil d'État, saisi d'un recours en annulation déposé par le pays par lettre du 8 février 2011 contre le décret numéro 2010-1770 du 30 décembre 2010, fixant pour les années 2007, 2008 et 2010 la quote-part des ressources du budget de la Polynésie destinée à alimenter le FIP, ne s'est-on toujours pas prononcé. Au regard de ces éléments et dans l'attente de la décision du Conseil d'État, nous invitons nos collègues de l'Assemblée de la Polynésie, au nom de la Commission des finances, à émettre un avis défavorable au projet de décret présenté. I roto i te tuatare rora a, hau te awhahora nga te tapura amui no te mea te pupura hei roa. I roto rai te rei o te maitai o te tapura amui, hui hui atura o iei tāna mō miniti, i roto i taho e rahu i rati rānei, tra mō pupuri e imi ato tato ai ama e te wei atura. Tarato i whari, tarato i whari. Nā rira, nō rira. Tēnei mana o ewei nei, whaituitu tātou i te tāoti ei tātou korokoro, ruti tera ahuru e mā pāminiti. I haumei tātou eni o i te tumuprau, nenehe a tātou e korokoro, not mea tēnua tātou tumuprau hopea i tēnei pēpē. Tere? Norea iau te hapu uno i te teime matamo, vai hori hoa o tui te teimo teime, not korokoro raito o tō mumano. Tēie teime, te anine iau i te mauti a aita tārātou e pupu. Nā aru anei rātou e whaheiti i te teimano, aita hoe. Mā ruru mai te ia orua, te tapu nei au i te orua i o. Te ani nei au i te tia no tō tātou aia, tawana uturoa te aoera. Iau rāna i te whareri rai te ebebe. Preti tēni, iau rāna. Whātere hau mā, iau rāna. Pape prou rei, apot ā rei. Mā ruru, iau rāna te whareri rā. Te mau hoa i roto heipa, iara nā tō tātou whare reira. E orero tu au tāu, tei ora i te mhana roto i te Te Reo a Mulier. Les années passent et malheureusement se ressemblent. Permettez-moi de vous citer l'intervention de mon collègue Roro sur le même dossier l'an passé. Encore une fois cette année, le débat fait rage autour du FIP et de la méthode à employer pour définir au plus juste et au plus près de la réalité le montant de la quote-part du pays. Le contexte économique a fait ressurgir les difficultés du dispositif applicable depuis la réforme statutaire de 2004 jusqu'à ces dernières années, les enveloppes étant suffisamment remplies pour satisfaire tout le monde. Le détail procédural n'attirait pas l'attention, mais les restrictions budgétaires, les diminutions notables des recettes ont fait ressurgir la nécessité de trouver la formule qui lésera le moins le pays et les communes. Le débat reste le même aujourd'hui et les maires continuent à protester pour que, enfin, l'on puisse trouver une solution juste et équitable pour tout le monde dans cette histoire de FIP. Effectivement, la crise tire à boulets rouges sur les finances du pays qui, n'arrivant pas à joindre les deux bouts, préfère fermer les robinets. Réaction naturelle, mais pour autant inacceptable.
Il ne faut pas rendre les communes responsables des problèmes de gestion du pays. Ceci d'autant plus que le FIP n'est pas une subvention gracieuse du pays, mais bien un juste retour de taxes prélevées pour le compte des communes et qu'il sert à exercer des compétences autrefois dévolues au pays. Alors, Monsieur le Président, nous vous prions de bien vouloir ne pas considérer les Tavanas comme des mendiants, car il est presque naturel que le FIP soit versé par le pays aux communes. Nous attendons donc plus de considération pour ces élus du peuple, ces élus de proximité qui s'acharnent chaque jour dans ce contexte de crise à répondre aux attentes de leurs concitoyens. On peut certes regretter, dans ce contexte difficile, que le Conseil d'État n'ait pas tranché la question ou que, à tout le moins, la dernière réforme statutaire n'ait pas pris le temps de régler cette question et donner des instructions claires dans un sens ou dans l'autre. Mais il ne faut pas que ce retard pris par la juridiction administrative soit le bouclier permanent derrière lequel le pays se défausse. Car, quoi qu'il en soit, il n'en demeure pas moins que le gouvernement doit tenir les engagements du pays. Toute autre forme d'excuse ne sera qu'irrecevable. Il en va de l'honorabilité de sa fonction. Tant qu'aucune clarification n'aura été apportée par les juridictions, nous ne pourrons tolérer que le gouvernement s'appuie, sans autre fondement, comme le cite le rapport sur le principe de sincérité budgétaire, pour avérer que les recettes fiscales inscrites au budget primitif ne pourront être réalisées. Il faudrait quand même que le gouvernement nous explique, en l'absence d'un compte administratif établi sur la base du rapport de gestion du DPG, comment il compte avérer la non-réalisation des recettes fiscales. Tant que l'année budgétaire n'est pas close, rien ne peut permettre de penser que les recettes ne seront pas perçues. La réalité de la perception reste, pour le moment, le seul compte administratif et rien d'autre. Alors, au gouvernement de s'atteler à la tâche pour respecter ses engagements et d'éviter de traiter les maires avec le dédain qu'il a pu avoir ces dernières semaines, forçant nos Tavanas à se déplacer jusqu'au bureau du président pour enfin être entendus. Cette stratégie de communication où, après plusieurs semaines de conflits, le président sort de son chapeau une solution qui aurait pu être trouvée bien plus tôt est inacceptable et dangereuse, car elle pousse à faire monter la pression sociale dans un contexte déjà sensible. Alors, jusqu'à hier, nous attendions que le gouvernement nous apporte des garanties réelles sur la façon dont il pense s'acquitter de ses obligations d'ici à la fin de l'année et si enfin il a pu nouer un dialogue pertinent et efficace avec l'État pour trouver une solution définitive et rapide à ce problème. Malheureusement, la réunion du CFL d'hier n'a apporté aucune solution concrète. Le gouvernement ne nous propose qu'une solution au jour le jour, sans autre forme de perspective. Alors, certes, le pays versera ce qu'il doit d'ici à la fin de l'année, mais aucune réponse n'a été apportée hier sur la suite des événements et sur le début 2012, ainsi que l'a déclaré hier notre président Gaston Tong-Song au sortir de la réunion, nous sommes toujours dans le flou artistique. Enfin, qu'il nous soit permis ici de rappeler que, au-delà du FIP, l'État verse également 9 milliards de francs aux communes au titre de la DGF. Alors bien sûr, nous militons également pour qu'il augmente sa part dans le FIP. Le contexte est tel qu'il est le seul qui puisse apporter une vraie solution à la détresse des municipalités. Quitte à prévoir cette augmentation sur une période clairement définie de 2, 3, voire 5 ans et qu'à l'issue, une renégociation globale s'engage. De son côté, le pays doit tenir ses engagements et ne pas se défausser derrière le fait que les communes seraient avant tout des collectivités d'État.
Cette assertion est juridiquement fausse, ou alors, suivant cette logique, nous sommes également une collectivité d'État. Non, les communes sont au même titre que la Polynésie française, des collectivités décentralisées, quand bien même elles se voient transférer des compétences déconcentrées. Le double langage et les incohérences techniques ne justifieront pas éternellement les errements du gouvernement. Et quoi qu'il en soit, au-delà des débats techniques, on peut finalement admettre que le débat de fond ne se situe pas sur le fait de savoir qui de l'État ou du pays va payer, mais bien de savoir comment les communes vont faire pour exercer et assumer leurs nouvelles compétences, car l'État et le pays doivent payer. Attendons donc, en définitive, de voir les conclusions de la commission d'évaluation des charges, en espérant qu'elle rende rapidement son travail afin de permettre à l'État, au pays et au Tavana de remplir pleinement les conditions de l'article 72-2 de la Constitution française, notre Constitution qui énonce que tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Maruru, et je vous remercie de votre attention. Maruru maite, tavana meruapora arhei. Tianine yau, tetia no te mana o te mumutu, pahiti mei tona mana o Eleanor Parker. Oui, bonjour, bonjour, monsieur le vice-président ainsi que le ministre et chers collègues et internautes qui nous regardent et qui nous écoutent. Bon, la question, alors je vais, j'interviendrai à la place de Tavana, maire de Nukuhiko. La question du FIP, et par là celle du financement des communes, est à mon sens l'une des plus importantes que nous devrons rapidement tenter de régler. Je dis bien tenter, car sa complexité et ses enjeux sont au carrefour d'autres sujets de même envergure. Je pense ici, par exemple, à la réforme de notre fiscalité, ainsi qu'à la mise en place d'une gouvernance triangulaire de notre pays. D'ailleurs, un atelier des États généraux était totalement consacré à ce sujet, qui est central. Pour y arriver, je pense qu'il va nous falloir innover, et par la discussion, rendre sa place aux politiques. Néanmoins, pour commencer, j'ai cru bon revenir aux bases en vous livrant les quelques réflexions suivantes. Appliquer à notre pays les règles fixées par le Conseil constitutionnel du 29 juillet 2004 conduit à dire qu'au moins 60,8% de l'addition des budgets communaux doit être financée par des ressources propres. Ces ressources propres doivent notamment comprendre le produit des taxes communales, mais peuvent être aussi le résultat d'une fiscalité partagée, c'est-à-dire chez nous, le FIP. En 2009, l'addition de l'ensemble des budgets de nos communes était de 37,4 milliards. Cette même année, les communes ont perçu près de 23 milliards de francs pacifiques en produits fiscaux. En d'autres termes, 61% de leur budget, ou encore 63% de leurs recettes de fonctionnement étaient cette année-là financées par l'impôt. 42% des recettes de fonctionnement étaient issues du FIP et 21% des impôts et taxes proprement communales. Ainsi, on peut dire qu'en 2009, on était dans les clous des règles constitutionnelles. Je n'invente rien. Ces chiffres sont publiés par l'État. Mais cette constatation, qu'il faudrait d'ailleurs actualiser, induit deux enjeux. Celle d'abord de la trop forte dépendance des communes vis-à-vis du FIP et celle ensuite de la trop forte contrainte que représente le FIP sur les finances du pays. Du point de vue des communes d'abord, il faut considérer le fait que le FIP représente aujourd'hui exactement 2/3 de leurs ressources fiscales. C'est ce que je veux dire quand je parle de dépendance. D'autant que les élus communaux n'ont aucun pouvoir sur les taxes sur la base desquelles le FIP est calculé. D'autant plus que le produit de ces taxes est particulièrement fluctuant. Plus encore, on connaît les querelles du pays et de l'État sur l'interprétation de son mode de calcul. D'ailleurs, à ce sujet, on croit rêver quand on connaît
la nature de certains différends. Aujourd'hui, on est à discuter de la définition du verbe percevoir. Franchement, j'ai envie de leur dire de retourner à l'école à tous ces technocrates. Pour ma part, j'ai simplement pris mon dictionnaire. Il est écrit que percevoir signifie encaisser ou empocher, c'est-à-dire ce qui est dans la caisse ou dans la poche. Il semble dès lors assez clair qu'on ne peut pas demander au pays de verser ce qu'il n'encaisse pas. Le tribunal administratif fut dans son avis assez sage, mais l'État n'en a pas tenu compte. Le Conseil d'État va prochainement trancher la question, mais je pense que le problème devrait être tranché au niveau politique, c'est-à-dire celui de notre Assemblée. Ce qui m'amène au point de vue du pays. Je considère que le FIP représente aujourd'hui une trop forte contrainte sur les finances du pays. Premièrement, nous sommes normalement compétents pour toutes les questions fiscales de notre pays. Or, le fait que l'État fixe arbitrairement le taux de partage de l'impôt nous enlève une partie de notre pouvoir sur la matière, notamment notre pouvoir de discussion avec les représentants de communes. L'État devrait se contenter de fixer les bornes de la discussion. Ensuite, on sait que la fiscalité ne peut être dissociée des compétences qu'elle doit financer. Or, on sait que le budget des communes ne cesse d'augmenter, notamment concernant les dépenses de fonctionnement qui ont progressé de 17% entre 2005 et 2009, et ce n'est pas fini. Le fait que l'État ait transféré du pays aux communes un certain nombre de compétences, qu'il ait souhaité une application in extenso du CGTC et la mise en place d'une fonction publique communale vont faire déborder le vase. Le pays n'est pas en mesure de garantir que 60% des ressources communales seront de trois tiers d'entre elles de nature fiscale. D'ailleurs, ce n'est pas son rôle. C'est plus facile pour l'État. En situation de déficit, il peut continuer d'assurer cette proportion en recourant à l'emprunt. D'ailleurs, cela fait près de 30 ans qu'il n'a pas voté un budget en équilibre et qu'il emprunte pour financer ses dépenses. Nous n'avons pas ce luxe. Et puis, la pression exercée par l'État pour un transfert plus important de fiscalité du pays vers les communes, tout en refusant de discuter la souplesse du FIP, constitue là aussi une contrainte trop forte pour les gouvernements successifs. J'en arrive maintenant à la proposition de notre groupe. Dans cette période d'instabilité et de récession économique, qui n'est d'ailleurs pas notre apanage, mais aussi de montée en puissance des communes et de restructuration du pays, il nous semble que l'on pourrait desserrer les taux et la dépendance en négociant un système de garantie, comme ce qui se fait en France, ce qu'ils appellent le contrat de stabilité ou le respect des 60,8%. Pour faire simple, un matelas de sécurité. Un seuil minimal doit pouvoir être assuré aux communes. Ce dernier pourrait s'organiser autour d'un contrat tripartite de stabilité. Concrètement, le pays continuerait comme aujourd'hui d'apporter sa part via le FIP et selon les conditions actuelles, si ce n'est qu'on y associerait un seuil minimal. L'État viendrait lui garantir le dispositif en cas de baisse du FIP en deçà du seuil. Le rôle d'amortisseur que jouerait l'État se justifierait pour plusieurs raisons. D'abord, l'État tout concours confondu est actuellement en retrait par rapport au soutien financier que la Polynésie apporte au développement des communes. De plus, il reste compétent sur les règles relatives à l'administration, à l'organisation et aux compétences des communes. C'est d'ailleurs lui qui leur a conféré de nouvelles compétences qui seront pour certaines communes tout simplement irréalisables dans les délais impartis. Cette proposition aurait par ailleurs l'avantage d'assurer le fonctionnement et in fine l'investissement des communes tout en déliant la Polynésie d'une contrainte quasi insoutenable en période de récession économique et dans le cadre fiscal actuel. Elle permettrait enfin de créer un cadre aux relations financières entre les trois parties. Mais je voudrais quand même dire ce que pense le président de notre groupe. Tout ça sont des paroles en l'air parce qu'on ne nous écoutera pas. Voilà, je vous remercie. Maruru Maite.
E o tō te whaoro mai. Te anine iau te tia o te pupu taho e rahui rātira, whahiti mei tōna mana. Ahuru e mapa miniti. Merci. Monsieur le Président de l'Assemblée de Polynésie française, merci de me donner la parole. Monsieur le Vice-président de la Polynésie française, vice-président du président du gouvernement de la Polynésie française, bonjour. Monsieur le ministre de la Polynésie française, mesdames de la presse, bonjour. Mes chers collègues, membres de l'Assemblée de Polynésie française, Yorana. C'est vrai que, Monsieur le Président, ces discussions sur le FIP deviennent un peu compliquées à suivre. Notre collègue Béatrice Vernaudon disait qu'avec ce nouvel examen, on ajoutait un nœud au paquet de nœuds. C'est devenu en effet nœud-nœud, tout à fait. Mais ce projet... d'avis que la Commission et le gouvernement nous demandent de rendre, notamment pour 2011, nous demandent en effet à nous positionner sur ce projet. Il s'agit en effet de la quote-part de ressources du pays destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation. Ce projet, en fin de compte, n'apporte aucune plus-value aux difficultés rencontrées depuis que la Polynésie française est confrontée à une baisse de ses ressources. Ça devient pratiquement mécanique. Nous le savons tous, cet avis n'a aucun intérêt. Même s'il est défavorable, puisque, en fin de compte, tant que le pays et les communes n'auront pas trouvé une position unanime face à l'État pour demander la réécriture de l'article 52 du statut afin de sécuriser les versements au FIP et en fin de compte assurer aux communes une vraie visibilité sur leur budget. C'est dans ce contexte de réduction des dotations au FIP que les maires, qui siégeaient donc au comité des finances locales du 3 septembre 2010, l'année passée, avait demandé à l'État et à la Polynésie de saisir le tribunal administratif de Papeete afin de clarifier la lecture et l'interprétation de l'article 52 du statut. L'avis rendu, vous le connaissez, n'a pas clarifié grand-chose. En tous les cas, n'a pas clarifié les points de difficulté auxquels nous étions confrontés, puisque dans ses conclusions, le tribunal administratif de Papeete suggère, en fin de compte, de modifier la rédaction de cet article. Le tribunal a toutefois parfaitement compris que le contexte budgétaire actuel est source pour le pays de problèmes de trésorerie et que, je cite le tribunal, le mécanisme retenu par l'article 52, à savoir la correction de la prévision avec un décalage de 2 années, n'apparaît pas totalement satisfaisant. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de la révision statutaire qui était à l'horizon, il proposait d'une part la prise en compte des décisions modificatives ou des budgets supplémentaires qui permettraient de corriger en cours d'année l'estimation du budget primitif et d'autre part de déterminer l'assiette provisoire non plus à partir du budget primitif de l'année en cours, mais à partir du compte administratif approuvé l'année précédente, ce qui ramènerait le décalage à 1 an au lieu de 2 ans aujourd'hui. Dans le cadre de la révision statutaire programmée par Mme Ponchard, et alors que j'assurais les fonctions de vice-président en charge des communes, j'avais fait procéder à un projet de nouvelle rédaction de l'article 52 afin justement d'apporter plus de sécurité et de visibilité aux communes. Hélas, pour les raisons que vous connaissez, nous n'avons pas pu mener les discussions à leur terme et nous n'avons pu que constater que la réforme un temps envisagée ne figurait pas dans les propositions de réécriture de la loi statutaire. Nous avons raté le coche.
Nous l'avons doublement raté, puisque le projet de modification de l'article 52 a été repris par le gouvernement actuel, c'est-à-dire par vous-même, Monsieur le Vice-président, pour être légèrement modifié, mais qu'il n'a finalement jamais été soumis aux autorités nationales et qu'il est resté dans les cartons des services du gouvernement. Il apparaît donc que l'urgence ne soit pas à rendre un avis défavorable ou favorable sur l'avis défavorable proposé par la Commission sur ce projet de décret. L'urgence est bien d'adopter une démarche constructive et de trouver une position qui puisse rallier l'assentiment des communes et du pays. Madame Béatrice Vernodon, le maire de Pirée, nous a expliqué en commission que si cette position commune n'avait pu être formalisée, la raison était relative au contentieux qui existait depuis que le gouvernement avait décidé l'an dernier de changer le mode de versement du FIP. Un contentieux financier qui, selon les chiffres communiqués par le SPC, par le syndicat pour la promotion des communes, porterait sur un montant de 2,5 milliards de francs. Or, il me semble que ce contentieux n'a pas lieu d'être puisqu'il a vocation à s'éteindre de lui-même en raison du constat des recettes réellement perçues qui détermineront si le pays doit plus ou moins que ce qu'il a réellement versé aux communes. C'est le mécanisme légal. Je ne sais pas si les collègues me comprennent, mais c'est vrai qu'il faut lire trois fois pour qu'on comprenne. Mais c'est vrai qu'il y a une série de contentieux qui s'ajoutent. Et l'on a appris en effet en commission que sur 2010 déjà, le pays doit donc. Dans ces conditions, et c'est avec raison que nous devons de manière commune nous attacher à définir les règles que nous souhaitons voir se mettre en place pour fixer la référence de l'assiette. Car il est évident que continuer à payer au moins le mois en fonction des recettes réellement perçues par le pays ne peut pas être satisfaisant, car cela n'offre aucune visibilité. Et je crois que ça a été ce qui a été proposé hier au CF. En ce sens donc, la motivation de l'avis défavorable qui nous est présentée ne peut pas non plus être satisfaisante. Nous ne pouvons pas non plus nous réfugier, comme le suggèrent les rapporteurs, dans un hypothétique arrêt favorable du Conseil d'État, saisi en contentieux sur le décret de 2010. Il nous appartient, mes chers collègues, et au premier chef, au gouvernement et aux communes, qui sont les interlocuteurs privilégiés de l'État, de reprendre la main pour proposer et faire acter une nouvelle rédaction de l'article 52 afin de lever définitivement toute ambiguïté sur son interprétation. C'est en ce sens, à notre avis, que nous devrions formuler notre avis, plutôt que de nous borner aux éternelles incantations et à affirmer une interprétation juridique qui n'est pas partagée par l'État. Sur ce dossier, comme sur les autres, faisons preuve de détermination, certes, mais aussi d'esprit constructif avec notre partenaire qu'est l'État. Nous pensons également, et j'avais eu en son temps l'occasion de le dire, que l'État pourrait, pour ces périodes exceptionnelles de difficultés conjoncturelles, imaginez la mise en place d'un fonds de stabilisation destiné aux communes d'un montant d'au moins 2 milliards de francs. Ce fonds de stabilisation pourrait, selon la conjoncture, accueillir la part des dotations qui ne serait pas versée au FIP en période de hausse budgétaire supérieure au taux d'inflation ou bien compléter les dotations à verser au FIP en période de récession budgétaire du pays. Mais encore une fois, ceci avait été dit l'année dernière, comme l'on sait, le budget de l'État est pratiquement voté pour ce qui concerne l'outre-mer, on aura encore une troisième fois raté le coche. Ce fonds de stabilisation nous forcerait également à contrôler l'augmentation annuelle des dotations à verser au FIP et ainsi éviter le piège dans lequel les communes sont tombées avec les budgets en forte augmentation de 61%. En 9 ans, alors que l'inflation n'était que de 12,3%. Mais surtout, je vois dans cette affaire une urgence nouvelle de développer la fiscalité communale propre
et de réduire demain la part du FIP à son strict nécessaire. Voilà, Monsieur le Président, ce que nous avions à dire dans un premier temps sur ce projet. Je vous remercie, chers collègues. Eleanor, to pro no nea, erit pro api. Mon o matamu at fahamon o ra, te teime tatu ima ro pro ve unei muri te ore ro ra, ro ro I trara mat heiti, te hamon o ro. Ma ro pro tu e mato Beatriz, voisone o Tony. Ere anei tawana? Me au ro. Muatu. Onarira no tatu, mita Eduare fahiti. Te vivi ni ai te tumu pro. E patara tu voi te umumono o e te tiaturi ne au e e whari me o toi kera mumono. Te vivi matamua e au e hi o. Te pro ia o te whaturar ai te ture e te whahupar ai te ture. I ni ai te tumu pro, I tau hi o ra, mo ha ma auno me te haufrani tatou mi te hamataramu. Wat ia turi ra tātou mi te rār tau te aroma iei te emhana, naroto te au hoara, te au te era, te au whetira, tātou e te au wharane, noa tu e oai, mi te pai atau hare e te pai aui, e matara no te ewhiwi. E ai ki matara. E mi te pau te moe moe ara tātou, te tia turi ra tātou e ananhei, E matara te ewhiwhi nā roto I te maro ora aparau e te hauwharani, pai tūtō. E tatara tu voi auto e hā te tumu vounei tō e te aturira. E te te aturine au e I auto e hi o I au, e apora auto te mō parauta au e parau atu. Tato mea ia hi o auto I au e te e voi tō I whā I tāra mono. I auto ura e apō te parau, pene e e riro te rā e whāwheru ai tatu. Nā whea te hoi hau, te emhana te hau wharani, enenhe e amo mai te I te I hopoia, nei te pau e oia, te emhana, I roto I te hau amui no Oropa, ti roto oia te tei taminorar hei, taupupurar hei, pae o te imi rā fauwha, e rena au e paro e tara parau, nā te pretenis o Oropa e paro e tara parau, Te ki ara o te hau wharani whahamono o rai tātou. Ki ara ahuru mātoru I niai nā ahuru mahitu whenua tumu e whaahupara te moture ato no Europa. Te urai oia te whenua ananhai e topatari. Nā whea oia roto te topatari rā e tauturu I tātou. Tēnā te ui rā. Ai tāne tā te teime, traia mon oi nan hei rā tā te tō whātu hei awa I tūroto I tō tātou wherui rā, wharirona ea tātou, tātou tō tātou hou. Paine ne bai te wherui rā no anan hei. Eha te tumu pro e voi tara pro, no tu mea, te amhana tātou putu putu e unei, no te amora I tā tātou hopo ia. Tāwana no ai tātou, mero apora ure no ai te teipa. Iarai mo ehe tātou, Te emhana e mero tātou no te aporarei, maetira te mo ture no te aporarei, no te hameteira te ora o te whenua. E te oire e mero no te whenua. I roto rā te whanhora politita te I whahepohia mai nania, wa whaariroho ia te oire e mero
Te tarai a dotra ho ho. No rapem. A ti va ri do hoya not fenu. I ta mino no ai te rartou. Te atara to te anteriori no te me. Te hamo na ora o ia te team hana une e te tofa. Ma to tu maro pro dai une e wo fari to ta to tofa. Flostane, tramo no. No te me o ia te ata mata mo te mate te hoeta uti nei va hanere tu o rumape. I ti ni e mo i to no mo ho e fa tre res frani te rartou. Pro e te rapro. Ai tarai tau anu. Ehe no te mea, wariro te mohi a o te eure, no te ufrani, e mohi a whaamamhara i tatou. A whea tatou te motawana eure e whaari i e kera wherurira. I he topaho a hauru tau trahere pata. Whaariro i a tatou te whenua e hau no tatou na mua. E i kera teime, hi o tu e e, tiopo i a nenhe, e a tatou amui e amu no te amete e a teorana o te nun a narto i te mo eure, whaari. Tari tatou, e tau tot mō mai ato. I he moe moea, woti te tau o te haunera, nōtu tiro tō tatou te tau o te haunera i te emhana. Nōtu te e pō e whahaman o tatou te prau o matari inia, woti ra te ratau te emhana. Tau ia orerora i te e pō i tatou wa ato. Whariro ia tatou e i hau nō tatou, nō te mō oire. No te mea tonu anua nei atara he o fura te motu te ato. Tate nu nā hei nāro. E hāti o hupa meit ei ta tātou e rawe nā roto i te motu te o pretu e tātou i ki eure tapaya mei tate whenua. O te tuai. Ia tātou e hapet enemi, tātou i tātou show. Nā roto te raur a o te moti a rā ta tātou e amo nei, unei, roto i te whare. I riro o i whare no te nuna, nā roto i te motia ta te nuna e maiti, e ta tātou, ki tauhia tātou e amo maiti. Te rā pre tēni, tau mo mono, mono porutita ini e te e tumu parau fauf aroa. Wha ha mo mora e matou pātou e unei, tātou pātou e unei, nā tātou e whauti te parau o te whenua, noatu te e tāmino rā no te mo oire, te pine au te mo tāwana oire atoa. E apa e mai kera mono? Apa e mai kera mono? Ha atawana i autou mi te tawana matamu o te ifa. Atawana hei e kera ratou e te ari. Ie whariro e tawana no te te hou, no tu e o wei, te whariro i a tātou e whaatitora i a tātou te emhana. Te emhana, ma te heiti piti tau tini ahoru maho e. Te veira tara whiwhi tā utau e amo rata mō tāwana, te veira te whiwhi tā te hau, e te nuna e amo hou atu ai te rei, te ie whiwhi ti. Maruru, te arhoi a rei. Maruru mai te e te mero apora kei, mono pre te tini no tata tō apora rei, te anine i au, te tiao i aura te whenua i whahi te mei tōna mano, tāwana o pira Beatrice Vernodon. Monsieur le Président, merci, bonjour, messieurs les ministres, chers collègues, ceux qui sont réunis dans cet hémicycle, bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord, très sincèrement, féliciter et remercier tous ceux qui ont pris la parole sur ce sujet depuis l'ouverture de notre séance, qui, avec une approche différente mais complémentaire, ont réellement enrichi notre réflexion et également fait des propositions qui sont tout à fait constructives. Le groupe Yora Te Whenua a voté en commission favorablement à ce décret et va voter favorablement à ce décret qui ne mange pas de pain, Monsieur le Président. Et qui vise à arrêter définitivement pour l'année 2009 les chiffres sont concordants à 7 millions de francs de différence pour 2009. Franchement, c'est un petit grain de sable. Par contre, pour 2011, là, la différence est plus notable. Mais encore une fois, ce ne sont des chiffres qui ne sont arrêtés que provisoirement pour 2011, puisqu'il faudra attendre l'année 2013 pour les arrêter définitivement. Mais nous votons favorablement parce que le calcul est celui de l'approche dite historique de l'article 52
qui est plus favorable, c'est vrai, dans la situation actuelle, aux communes. Et tant que le Conseil d'État n'aura pas jugé et interprété l'article 52 d'une manière définitive, nous souhaitons nous caler à cette interprétation. C'est la raison pour laquelle le groupe Yoratefenois votera favorablement, donnera un avis favorable à ce projet de décret. Vous l'avez dit, chers collègues, la situation est extrêmement complexe. On ne se souciait pas jusqu'à l'année 2009, jusqu'à l'année 2008, pardon, du FIP, puisque la croissance était au rendez-vous chaque année et que chaque année, on corrigeait positivement pour les communes le montant du FIP, puisque les recettes étaient toujours supérieures à celles qui avaient été prévues au départ. C'est en 2008, chers collègues, que l'Assemblée avait voté un FIP à 17 milliards. Et en cours d'année, les recettes fiscales n'étaient pas au rendez-vous. Et le gouvernement, à l'époque, avait décidé de donner aux communes qui avaient préparé leur budget, qui avaient voté leur budget sur 17 milliards. Et donc, nous avions, au comité des finances locales, engagé des projets, notamment de construction scolaire, à hauteur de 3 milliards. Et le pays, voyant cela, a dit « je vais faire un prêt AFD pour compenser les 2,8 milliards qui ne seront pas au rendez-vous ». Et en fait, le prêt AFD, on ne l'a jamais eu. Ce qui est déjà le premier problème au niveau du FIP. Et depuis cette année, au FIP, nous recevons un nouveau financement de l'État qui est né de la réforme de la DGDE, qui s'appelle aujourd'hui la DTIC, la dotation territoriale d'investissement aux communes. Et sur trois années, 2011, 2012, 2013, cette dotation va financer les projets sur lesquels nous nous étions engagés en 2008 et qui ne seront pas payés puisque l'AFD n'a pas débloqué, le pays n'a pas obtenu son prêt. Donc ça, c'est le premier nœud, hein. Mais sachez que depuis 2009, nous n'avons plus aucun financement au FIP pour les constructions scolaires, alors que toutes les années précédentes, nous avions plus de 2 milliards. Et ensuite, en 2010, donc Edouard Fritsch le rappelait tout à l'heure, le pays qui n'arrivait plus à payer sa participation à hauteur de l'approche historique de l'article 52, a décidé unilatéralement de changer son mode de versement et donc de verser 17% des recettes réellement perçues. Et depuis donc 2010, on a un différentiel chaque année, puisque les communes ont fait leur budget sur l'approche historique, mais que le pays, lui, verse en fonction des sommes perçues. Donc, on fait chaque année des nœuds sur des nœuds et on ne peut plus continuer comme cela. Alors, hier, les maires ont demandé à l'État et au pays, ont fait la proposition que vient de nous donner notre collègue Eleanor, c'est-à-dire de créer un fonds de compensation des moins-values fiscales pour garantir aux communes les moyens d'exercice de leurs compétences, sachant que leurs compétences se sont alourdies depuis 2004. Edouard Fritsch a lui-même parlé d'un fonds de stabilisation, le même fonds. Malheureusement, nos ministres nous le confirmeront, l'État n'a pas été réceptif à cette idée de création d'un fonds de compensation. Nous avons une délégation des maires qui est partie ou qui part ce week-end au Congrès des maires de France, qui va rencontrer la ministre de l'Outre-mer pour lui faire également cette proposition.
Depuis 2008, puisqu'en 2008, nous avions 17 milliards du PI pour le FIP. Cette année 2011, c'est 13,4 milliards. Et l'année prochaine, on nous annonce un peu plus de 12 milliards. Hein. C'est très difficile pour les communes qui, néanmoins, veulent être solidaires des difficultés du pays, d'assumer une chute aussi radicale. Même si nous essayons de nous organiser pour contrôler toutes nos dépenses, pour ne pas recruter, tout en garantissant la qualité du service public, la chute est trop rapide. Nous n'arrivons pas à nous organiser en conséquence. Donc, moi, je plaide, comme la plupart, comme ceux qui sont intervenus avant moi, pour un changement d'approche radicale. On ne peut plus continuer à se voir deux fois par an et à se quitter sans avoir trouvé de solution. Il faut reprendre les discussions sur la fiscalité communale. Avec le vice-président de l'époque, Edouard Fitch, nous avions partagé toutes les données et des pistes s'étaient dégagées du séminaire. Il faut continuer à reprendre ce dossier. Les maires ont dit qu'ils souhaitaient conserver le système du FIP. C'est un bon dispositif. Ils ne veulent pas en changer. Ils ne veulent pas recevoir ou encore moins être ceux qui sont chargés de, comment dirais-je, de récolter la fiscalité directement. On ne veut pas changer le FIP, on veut le conserver, mais il faut trouver d'autres recettes fiscales. Ma collègue Sylviane a parlé de la commission d'évaluation des charges. Elle ne se réunit pas. Il faut absolument mener ce travail et évaluer les charges des communes et pouvoir voir quels sont les moyens qui sont nécessaires pour faire face à ces charges. Hiro et Edouard ont dit qu'il fallait que les communes et le pays soient plus unis dans leurs propositions à l'État. Et je voudrais conclure par cela et faire un appel à Monsieur le vice-président chargé des communes et à Monsieur Frébeau, ministre chargé de la fonction publique et des finances. On ne peut plus continuer. Il faut que le pays et les communes se voient dans un autre contexte que le comité des finances locales et qu'on se mette d'accord sur une feuille de route pour les mois qui viennent. Nous allons créer, le 1er janvier 2012, le centre de gestion et de formation pour mettre en place la fonction publique communale. Les maires demandent à ce que nous ayons un outil de formation commun entre les communes et l'État pour mutualiser les dépenses et faire en sorte qu'on prépare plus de mobilité pour demain, compte tenu de notre territoire aussi vaste, il faut qu'on puisse faciliter les compétences à proximité des populations. Donc, il faut que nous ayons une feuille de route commune pour travailler sur les dossiers. Et au niveau, par exemple, de la formation que j'évoquais, je suis sûre que l'État, c'est un sujet, puisque l'État a poussé à la mise en place de la fonction publique communale, je suis sûre qu'il y a des financements à trouver auprès de l'État, comme en Calédonie, Cadre Avenir, Opération 400 Cadres. Il faut que pour préparer la Polynésie de demain, qu'on puisse mutualiser nos moyens pour la formation à la faveur de la mise en place du centre de gestion et de formation. Et puis, pour cette réforme de la fiscalité et pour donner les moyens aux communes d'exercice de leurs compétences, il faut que le pays et les communes puissent faire ensemble des propositions à l'État. Donc, c'est mon souhait, c'est le souhait des maires. Et là, je reprends ce qu'ont dit mes collègues.
qu'on puisse travailler ensemble pour préparer cette réforme fiscale et également voir comment vont se mettre en place les compétences des communes dans les domaines de l'environnement, l'eau, les déchets, l'assainissement, parce que ce sont des charges qui ne sont pas aujourd'hui supportables par les communes et qui, demain, si on laisse le système en l'état, vont devoir être supportées par les administrés qui ne seront pas en mesure de financer ces charges environnementales. Voilà, messieurs les ministres, chers collègues, ce que je souhaitais dire sur ce dossier. Merci. Alors, moi, j'ai été mérou à porar, hey, Béatrice Vernoudon, mon opréditéni, tia ouer. Maruru mait e prititeni prititeni no taporar hei te eta eti amuit o mait e pepoi ta no tut muta et mutuhine no taporar hei mesdames de la presse messieurs de la presse muta et wahine ti amui mai yorana i totatu nei farerida. J'ai bien compris le message, nous avons bien compris le message et le vœu formulé par l'ensemble donc de la classe politique représentée au sein de cette Assemblée qui appelle le gouvernement à une concertation, on va dire officieuse, pas formelle, pas solennelle, mais une concertation franche et sincère entre les trois partenaires préoccupés par la problématique du prélèvement des recettes fiscales du pays à la faveur de la Caisse des communes, qu'on appelle le FIP. Ce que je peux répondre à ce message, c'est de dire oui à une condition. C'est qu'il y ait un capitaine. On ne peut pas avoir trois capitaines. Lorsque le président du pays a lancé, lors du congrès des maires, l'idée, je n'ai pas peur de le dire, l'idée qui a dérangé tout le monde, de faire tomber le FIP, ça sous-entendait quoi? Ça sous-entendait justement l'obtention de soutien de l'ensemble des maires au débat que vous demandez aujourd'hui. On rabat les cartes, parce que aussi bien que vous, il est maire d'une commune, et quand bien même la plus importante de la Polynésie, c'est la commune de Faa. Ce n'est pas la capitale. Il aurait été maire de la capitale, à travers les centimes additionnels, il aurait fait le plein de son budget. Mais non, ce n'est même pas la capitale. Il a toutes les charges, parce que c'est la commune la plus peuplée, mais il n'a absolument pas les recettes d'une vraie capitale. Parce qu'il n'a pas les commerces, il n'a pas les industries, comme Papété. Donc quand il lançait ça, il savait de quoi il parlait. Mais il attendait une réponse. Alors, on a vu la réponse dans la presse. Hein. On l'a même traité d'un mot qui m'a beaucoup énervé, parce que j'ai compris que ceux qui parlaient ainsi ne comprenaient rien au message qui a été lancé. Aujourd'hui, voilà, on est tous réunis à appeler de tous nos voeux une rencontre pas officielle pour essayer de trouver à s'entendre sur un modus. Alors certains disent on va attendre la décision du Conseil d'État, mais ça ne sert à rien. La règle écrite, elle est claire. Je m'en suis exprimé hier et expliqué en CLF, en CFL plutôt, pour vous dire tout simplement que le législateur a décidé de nous donner un calcul provisoire, qui nous donnait une assiette provisoire, et ensuite, à l'année N plus 2, de nous donner une assiette définitive. C'est la raison des deux décrets qui sont proposés ici. Il y a un décret qui arrête provisoirement les chiffres de l'exercice 2011 pour le prélèvement, et il y a un autre qui arrête définitivement l'assiette sur laquelle va s'adosser le prélèvement, le taux de prélèvement de l'exercice 2009. Et c'est à ce moment-là, comme je le disais hier, que 2009 est exigible.
mais pas avant qu'on arrive, alors donc pour 2011, pas avant qu'on arrive à 2013, on ne peut pas exiger l'intégralité des prévisions de 2011, parce qu'il faut attendre qu'elles deviennent définitives à l'année N plus 2. Et ce concept, et là je vous rejoins, fragilise l'équilibre des budgets des communes. Parce qu'on ne peut pas partir sur des prévisions N plus 2 quand on construit une commune, quand on construit le budget d'une commune, dans une situation récessive comme celle qui contraint le pays aujourd'hui. On aura beau dire ce qu'on voudra dire, on sait très bien que la ressource du FIP représente pour beaucoup de communes, la recette la plus importante de son budget. Donc quand on bouge ce curseur d'un demi-point, ça ne gêne pas beaucoup, mais quand on bouge dans les conditions qui sont ceux auxquels nous sommes contraints aujourd'hui, entre deux exercices, voilà qu'on en est réduit. Donc la seule condition de la réussite de ce consensus, c'est qu'on accepte qu'on est un capitaine. Nous sommes prêts au niveau du gouvernement. Quant à la modification de l'article 52, mais c'est obligatoire, c'est le passage obligé du règlement de nos problèmes. Alors, on attend la décision du Conseil d'État, mais qu'est-ce que va dire le Conseil d'État ? Le Conseil d'État, il va dire que l'ensemble du prélèvement doit s'effectuer sur les recettes fiscales réellement réalisées, exécutées, encaissées. Il ne va pas dire plus que ça. Mais dans le cas de la projection actuelle, on est obligé de faire un décalage. On se projette sur 2012 en disant que, attends, c'est en 2014 pour 2012 qu'on va vérifier si 2012 c'est bon. Après, on fait le rattrapage. C'est pas bon dans l'état actuel de la conjoncture. C'est pas bon pour nos communes, pour l'équilibre des ressources de nos communes. Donc il faut revoir cette règle. Alors j'ai proposé quoi hier ? J'ai proposé tout simplement d'asseoir ce prélèvement sur un exercice connu. Et c'est là où je diverge sur les propositions de modification de l'article 52 qui a été fait par mon prédécesseur. Parce que lorsque nous sommes arrivés aux affaires du pays et qu'on nous a présenté ces modifications qui ont été initiées par mon prédécesseur l'ont été dans le cadre de la réforme fiscale. Et là, je vous rejoins. Effectivement, dans le cadre de la réforme fiscale, il faut réduire le FIP de manière à le retransformer en fonds de compensation. Mais ce faisant, il faut monter les curseurs fiscaux qui vont redonner de l'autonomie fiscale aux communes. Mais faites attention, ça voudra dire aussi que vous acceptez d'être confronté à un moment donné de l'histoire économique du pays aux problèmes auxquels le pays est confronté aujourd'hui et auxquels vous êtes contraint. Il y a ça aussi. Il faut savoir ce qu'on veut. Il ne faudra pas au moment où vous allez vous retrouver dans la situation dans laquelle on se trouve, vous n'avez plus les moyens de bouger vos leviers, vous revenez voir le pays pour dire on ne peut plus, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le pays et les communes se retournent vers l'État en disant on ne peut plus. Et vous avez entendu la réponse du haut commissaire qui s'est adressé directement à vous en vous disant que vous n'avez pas vu que ça fait 3 ans que le budget de la nation est en baisse. Comment voulez-vous, dans cette perspective, obtenir encore de l'État un effort supplémentaire pour la Polynésie? Alors ce qui est pire, et ils n'ont pas dit, c'est le fameux gel présidentiel, le gel financier présidentiel. C'est 6 mois. Donc ça veut dire que rideau, 6 mois avant les élections. Donc vous comprenez la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, et c'est pour ça qu'hier j'ai expliqué que le pays met tout en place pour éviter de plomber l'économie des communes et surtout leur budget. Donc, le ministre des Finances s'est engagé à maintenir le train de versement, non pas à 1,4 milliard, mais au moins à 1,1 milliard sur l'exercice, le début de l'exercice 2012.
Bon, après, les maires ont demandé un engagement de plus long terme. Qu'est-ce qu'on a répondu? On n'a pas, notre boule de cristal n'est pas suffisamment, comment on peut dire ça, comment tu dis, lumineuse. Voilà. Donc, pour pouvoir nous engager au-delà. Alors, on parle de trésorerie. De quoi sera fait demain la conjoncture? On ne sait pas. Tout le monde parle de relance. Oui, on souhaite la relance. S'il y a relance, ce sera peut-être plus d'un milliard, 100 qui sera versé. Mais s'il n'y a pas relance, ça sera peut-être moins d'un milliard 100. Parce qu'au niveau du trésorier payeur, lui, tant que l'argent n'est pas dans la caisse, il ne peut pas débourser. Ce n'est même pas une règle comptable, c'est une règle physique. Comment voulez-vous qu'il paye quelque chose qui n'existe physiquement pas? Donc c'est pour ça, pour éviter de parler le langage d'annonce politique, on préfère être clair, et nous avons été clairs hier, pour dire que nous allons accompagner, avec les moyens dont on va disposer, l'ensemble des communes dans le cadre du versement du FIP sur l'exercice 2012, et bien entendu d'ici la fin de l'exercice 2011. On vient de verser 1,4 milliard. Et on s'est engagé également, autant que faire se peut en décembre, de continuer à, non pas à verser 1,4 milliard, mais au moins 1,1 milliard. Donc on va voir comment les curseurs de recouvrement vont se comporter pour effectivement ensuite, vers le mois de décembre, vous annoncer que le mandat peut être réalisé ou pas du tout. Donc c'est en ce sens que l'on dit, il va falloir qu'on se revoie petit à petit, étape par étape, pour faire le point et vous dire voilà ce qu'on a, voilà ce qu'on peut verser, etc. Jusque ce qu'on arrive à modifier cet article 52 et éventuellement obtenir peut-être de l'État la faveur de la mise en place d'une ligne de crédit qui va nous permettre d'alléger un peu la contrainte qui vient obérer le budget des communes, des 48 communes du pays. Alors, quant à la suite, comme on vient de vous l'expliquer, nous avons préparé le budget 2012. On va largement en débattre à partir de la semaine prochaine en commission. Ce budget n'est pas un budget comme on a eu l'habitude d'en avoir jusqu'ici, un budget d'affichage. C'est un budget dans lequel, véritablement, on va assainir nos comptes. Et là également, on a besoin de votre soutien. Il faut qu'on arrive à assainir nos comptes parce que dedans, les recettes sont devenues aussi toxiques que les emprunts que nous avons contractés par le passé. C'est-à-dire qu'on nous annonce un certain nombre de chiffres, et puis finalement, quand on va contrôler après, on s'aperçoit que c'est du vent. Construire les recettes d'un budget sur la perspective de voir un certain nombre d'agents publics tomber malades pour recouvrer ensuite la contrepartie par la CPS, c'est un peu tiré par les cheveux. Et pourtant, nous avons été également, comme vous, à soutenir ce genre de ligne de projet par le passé. Je crois qu'aujourd'hui, il faut arrêter. C'est pareil au niveau des amendes. Quand on voit qu'on construit l'équilibre d'un budget sur des recettes qu'on pense engranger au titre des pénalités sur des taxes que le contribuable ne peut même pas payer, comment pouvez-vous croire en l'avenir? C'est pas possible. S'il ne peut déjà pas payer la part principale, comment voulez-vous qu'il puisse vous garantir la pénalité qui va avec? Donc c'est tout ça qui fait qu'il va falloir qu'on assainisse nos comptes. Alors l'assainissement des comptes fait chuter à nouveau, malheureusement, à une incidence sur le FIP, parce que la plupart de nos comptes, ce sont des recettes fiscales. Alors c'est la raison pour laquelle, et hier je l'expliquais aussi, quand on part du principe que sur 2011, on a garanti aux communes un prélèvement de 12 milliards 300 et quelques millions, et que en 2012, on doit garantir quelque chose aux communes, ce que nous avons fait avec les équipes techniques, c'est au moins de garantir 12 milliards. Qu'on ne vienne pas nous dire que 2012 va être 11 milliards ou bien beaucoup moins.
c'est au moins 12 milliards. Et pour garantir 12 milliards, tout en tenant compte de la décroissance du PIB d'un exercice sur l'autre de 8%, on a été obligé de demander au ministre des Finances de bouger des curseurs fiscaux pour rattraper. Sinon, le FIP plongeait, parce que les recettes fiscales plongeaient. On plongeait à 87 milliards de recettes fiscales. Et ce n'est pas possible. Là, ça nous amène à un FIP de 11 milliards et quelques. Pour remonter le FIP à 12, il faut remonter ses recettes à 89 milliards. Et c'est la raison pour laquelle nous avons déployé cet effort fiscal qui va, encore une fois, être largement explicité lors de la commission et lors de notre séance solennelle. Donc voilà, en gros, Monsieur le Président, ce que je voulais dire à propos de l'ensemble des interventions qui ont été réalisées par mes collègues, que j'applaudis dès demain d'ailleurs, parce que je pense qu'on a tous compris la situation dans laquelle on se trouve. Et je reformule le vœu de continuer à poursuivre notre réflexion sur la nécessité de mettre en place un comité État-pays commune pour réfléchir à la manière dont on peut organiser notre agenda de versement ou bien même la façon dont on va réorienter l'écriture de l'article 52, mais encore une fois à condition qu'on se mette d'accord sur un chef de file. Marouru. Marouru maite. Yanine ya iti afeifu proyate o maite tato faira mano. Le projet de décret fixant pour les années 2009 et 2011 la quote-part des ressources du budget de la Polynésie destinée à alimenter le Fonds intercommunal de péréquation recueille un avis défavorable de l'Assemblée de la Polynésie. Celle-ci estime en effet que la quote-part de la Polynésie française, donc au Fonds intercommunal de péréquation, doit être assise sur les recettes réellement perçues durant l'année 2011 et non sur les recettes prévues au budget primitif de l'exercice. Conformément à l'alinéa 1er de l'article 52 de la loi organique numéro 2004-192, suffisait. Le présent avis sera publié au journal officiel de la Polynésie, transmis accompagné de son rapport de présentation au commissaire, au président de la Polynésie, au président de l'Assemblée nationale et du Sénat et aux parlementaires de la Polynésie. Maruru maitei, etau oprautato, ihauteriria. Monsieur Fritsch par courtoisie, Madame Sandra Lévy-Agami, Namour. Maruru Maite. Merci Monsieur le Président, bonjour Monsieur le Vice-Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, à tous ceux qui sont présents, Yorana. Je ne suis pas intervenue lors de la discussion générale parce que j'attendais que mes collègues qui sont maires s'expriment, parce que je pense que c'est vraiment eux qui sont en première loge, on va dire, aux premières loges face à ce problème et qui le vivent tous les jours. Je tiens vraiment à souligner l'intervention de Madame Béatrice Vernaudon, que j'applaudis, qui est une intervention sensée et sur laquelle également j'avais réfléchi, disant qu'il y a deux façons de voir les choses par rapport à ce problème du FIP qui est récurrent, on le sait, on en a discuté déjà l'année d'avant, il y a encore 2 ans également. Soit on change le mode de calcul, soit on fait en sorte que les recettes augmentent pour pouvoir permettre au FIP d'avoir, et en tout cas aux communes, d'avoir un certain niveau de ressources venant du pays. Ce qui me gêne dans votre intervention, Monsieur le Vice-président, et dans ce qui est proposé par votre groupe majoritaire à l'Assemblée, c'est qu'encore une fois, c'est de la faute de l'État. C'est ce qui est sous-jacent dans ce que vous dites. Moi, ce que j'aurais à dire, c'est que alors, il y a deux façons de voir les choses. Soit, en effet, on change de mode de calcul, mais a priori, ce mode de calcul n'a pas posé de problème jusqu'à, comme l'a rappelé très justement Madame Béatrice Vernaudon, jusqu'en 2008, parce qu'on a eu un problème de développement économique. Soit on fait du développement économique, on fait de la croissance. Et quand je vous entends parler là, juste avant, mais je me dis, c'est pas la peine, quoi, rentrons chez nous, faut arrêter. Vous êtes en train de nous dire qu'on n'a pas de visibilité, on ne sait pas comment on va faire, on a besoin d'un capitaine à bord. Mais c'est vous le capitaine à bord, c'est le gouvernement le capitaine à bord, c'est le président, pourquoi le président n'est pas là? C'est un sujet important. Et ce que je ne comprends pas, c'est votre analyse qui consiste à dire, ben, écoutez, il n'y a plus d'argent, donc ce n'est pas de notre faute, c'est de la faute de l'État, il faut changer l'article 52.
Dans 10 ans, on est encore à demander le changement de l'article 52. Par contre, il y a un autre levier, c'est le levier économique, le levier du développement, de la croissance. Et tout ce que vous nous proposez en face, c'est de nous dire, ne vous inquiétez pas, de toute façon, vous allez voir, notre prochain budget va permettre d'augmenter des taxes, et parce qu'on va augmenter des taxes, on aura plus de revenus fiscaux. Vous savez très bien que trop d'impôts tuent l'impôt. Qu'est-ce que vous voulez? Complètement tuer l'économie locale? À l'heure où, dans des pays qui sont en crise, les gouvernements investissent dans les entreprises, soutiennent les entreprises, font tout pour que ces entreprises injectent de l'argent dans leur pays, nous, on fait tout pour pas qu'ils s'installent chez nous. Et en plus, après, on va parler que c'est de la faute de l'État. Ça suffit. Ça suffit, monsieur le vice-président. Donnant aux chefs d'entreprise locaux, à nos Polynésiens, la possibilité de développer notre pays, faisant en sorte qu'ils puissent s'installer, qu'ils puissent travailler, que le système fiscal permette le développement économique de notre pays, et arrêtons de taper sur les entreprises et de leur mettre un maximum de fiscalité sur le dos, tout ça pour, à un moment donné, vouloir équilibrer le FIP en arrière-plan, et vous savez très bien que ça ne marchera pas. Comment ils font en Nouvelle-Calédonie? Comment font les autres pays? Ils sont attractifs. Ils font venir les entreprises chez eux. Comment vous expliquez qu'en Polynésie, nos Polynésiens vont même investir là-bas, en Nouvelle-Calédonie, leur capital? C'est parce qu'au niveau de la fiscalité, c'est plus incitatif. Parce qu'au niveau du gouvernement, ils ont quelqu'un qui leur dit, ben, c'est moi le chef et voilà là où on va aller. Chez nous, vous nous dites, oh, on a besoin d'un capitaine, il faut que ce problème soit réglé en concertation. À un moment donné, il faut avoir une vision, comme dit tout à fait Teiki, une vision de développement économique et d'aménagement du territoire. Je suis tout à fait d'accord, mais arrêtez de vous regarder le piton. Excusez-moi si je m'énerve sur ce sujet, mais ça fait combien de fois que vous venez nous dire, c'est la troisième intervention depuis votre prise de fonction, vous nous dites, ah ben on ne peut rien faire, c'est comme ça, on nous a laissé une situation comme celle-là. Si vous n'êtes pas capable, laissez les autres gouverner, mais ne venez pas nous dire, ben oui. Si vous n'avez pas les solutions à part nous faire crouler sous les taxes, je suis désolée, je me demande ce que vous faites là. Donc à un moment donné, monsieur le vice-président, apportez-nous des solutions, mais surtout faisons en sorte que ce pays se développe et arrêtez votre système de vouloir absolument nous faire crouler sous les impôts. Vous dites, ah oui, mais finalement le pays est en train de payer la part de fiscalité que finalement la commune n'a pas entre ses mains. Oui. Justement, et Béatrice l'a rappelé, c'est parce qu'il n'y a pas de fiscalité locale directe au niveau des communes que ce système a été mis en place. Vous ne pouvez pas changer ce système alors que vous n'avez pas, à côté de ça, garanti des choses aux communes. Donc commençons par le commencement, mais pour ma part, les règles du jeu, elles sont déjà connues et fixées depuis un certain nombre d'années dans notre statut d'autonomie qui a été voté, qui est tout à fait actif, on va dire, dans notre droit positif. Mettons cela en place. Hiro l'a dit tout à l'heure, notre pays va mal, le développement économique est en baisse, est en berne. Alors il dit, parce que c'est en baisse, il faut revoir ce qu'on va donner aux communes. Non, il y a une autre façon de voir les choses. Vous êtes tout le temps en train de citer les États-Unis en disant, regardez aux États-Unis comment ça se passe en Nouvelle-Zélande, en Australie. Eux, parce que c'est en baisse, eh bien, ils injectent et continuent à développer. Et c'est ça qui crée de la richesse, et parce qu'on consomme, eh bien, on récupère de la fiscalité. Mais s'il vous plaît, ayez un discours optimiste, monsieur le vice-président, parce que quand je vous entends, ça ne donne pas envie d'avancer. Hein. Maruru. Béatrice Vernaudon, Tia Oera. Edouard Fritsch. Président, je remercie le vice-président de la Polynésie française pour ses réponses. Mais je voudrais, dans un premier temps, faire une observation. Moi, je pense que c'est pas dans le cadre de ce partenariat pays, commune et État qu'il faut que l'on se réunisse et qu'on prenne des décisions. Je parlais, moi, d'une réunion entre le pays et les communes. Il faut, à mon avis, dans un premier temps, que l'on discute et qu'on se mette bien d'accord. Je suis un peu comme vous ne l'avez pas dit, mais je le dis pour vous,
j'en avais mal au cœur de voir les communes se mettre contre le pays parce qu'elles avaient l'impression que le pays ne tient pas un discours clair sur ce qui concerne le FIP. Or, dans cette affaire, ne nous trompons pas, ne nous trompons pas. C'est pays et communes qu'il faut au départ régler nos diapasons pour pouvoir faire face à l'État. Vous cherchez un capitaine, je crois que c'est vrai qu'il faut trouver un bon capitaine. Le bon capitaine, il ne peut être que chez vous, monsieur le vice-président. Et bon, c'est à vous de nous dire qui va être le leader de ce chantier. Mais j'ai l'impression, en effet, que chez vous, il y a quand même quelques petits problèmes. Hein. Je viens d'avoir le procès-verbal de la commission des finances, de la commission des lois. Du Sénat. Et comme vous le savez, préalablement à l'examen des lois de finances, ces commissions, et en particulier leur président, reçoit les parlementaires pour en discuter. Il a reçu votre parlementaire, M. Richard Touheyawa, qui a quand même, et là j'aimerais bien savoir si vous épousez complètement sa théorie, qui a dit des choses qui me semblent un petit peu compliquées à comprendre. Ce dernier, donc, bon, et ça va servir d'avis à la commission des lois, dit qu'on est arrivé à un moment où il semble nécessaire qu'un virage institutionnel consistant soit en une revalorisation de la participation de l'État au financement du FIP, soit. On n'a pas besoin d'aller jusqu'à cela, mais enfin, la revalorisation de la participation de l'État au financement du FIP, soit en une modification du taux minimal de prélèvement des recettes fiscales de la Polynésie française au profit du FIP. Il ne dit pas en plus ou en moins, mais là, je pense qu'il faut en effet que l'on soit bien d'accord. Aujourd'hui, si on me parle de position institutionnelle, c'est 15%. C'est ce que prévoit la loi. Une modification de ce taux. Et alors là, ce n'est pas où, hein, c'est et en une rétrocession à la collectivité des trois compétences qui pèsent le plus lourdement sur les finances des communes, à savoir le traitement des déchets, l'assainissement et l'eau potable. Alors, monsieur le vice-président, non, elle vient de dire bonjour pour vous. Elle vient de dire bonjour pour vous. Moi, j'aimerais bien avoir votre position là-dessus, parce que imaginez-vous que la suite, c'est votre rapporteur, donc M. Cointat, en l'occurrence, considère que ces pistes doivent être examinées pour assurer le bon fonctionnement du FIP dans l'avenir. Attendez, les trois propositions qui sont faites vont donc faire l'objet d'une attention particulière, parce que c'est à la clé du bon fonctionnement du FIP dans l'avenir. Et qu'il soit au pluriel, qu'il soit rapidement mis en place dans le respect des demandes des communes polynésiennes, des réformes permettant de garantir leur autonomie et l'existence et l'exercice de leur mission publique. Monsieur le Président, Vice-président, bon, je veux bien, mais enfin, je dois avouer que ce discours-là, ce n'est pas celui que j'entends le plus souvent ici au sein de cette Assemblée, ni non plus dans ce que j'ai vu avec les maires. Je n'ai pas compris à un moment donné que les maires voulaient rendre leurs compétences. Et je n'ai pas compris non plus à un moment donné, même quand j'y étais à votre place, que le pays se trouvait dans les meilleures dispositions aujourd'hui pour récupérer et financer à nouveau ces compétences qui ont été transmises aux communes. C'est vrai, monsieur le vice-président, je ne sais pas, donnez-moi votre avis là-dessus, mais enfin, il y a un problème de capitaine. Il y a un problème de capitaine à bord. Hey. Du Sénat. Maruru, retenu. C'est à Opro, on est à tout. C'est Maropro, on est à tout. Il y a tout le monde qui est Maropro, on est à tout. Narotora, Fatura, tete. Mais tu peux vous faire cette offre tout et avoir été mon an, non, il y a mon an. Et oui, là, tantôt, et tantôt, et t'es mon tia,
et tiara no tatu ite tof ite fare ote mot ofane it ap or ai di tureane e hapai tora to momono ai ti fa ro hi ya we hi o bishop ha taratiti metano fa ha mono metano proura to tato momono nyaro wo we fa titi e forori te prou tu hi mai e to tato tua hine o sondra ta ho e tu hai popo Paiti mena iau te emhana, oit whenua tēne o te tfifi, te topatari, o tauteruhia te mō whatu te ete, e ua roa ia rato, i te hamai teito rato whenu. Paiti mena iau te emhana. Ai tō e a. Proha aware nā tāra mōpara. Ai tō e a. Te whenua marite, te whenua niuterani, te tumu rato i manui ai, no te mea, o tārhau rato te moni, te whenua tinito. Nyaro tato maro pro tato yo nen he maro pro. Unet fenu nei. E ha te hupol te dawe hia. Whatever an hia ho if an hor ai tararta, no te tau tru ai te mo fatu te ete. No tu e vol nei, wo pat e o kera feru ai tararta, no me uite wo uite mo fatu te ete. No tu e kado tato kera to, tato wi. Te ha mo maro e preten, te pro te o te era. Ai ti fa ho pe hia. E wo fauti hei te mou fatu o hupa, me fauti waha nora, e tebu mai rato. Te te mat hei te pete tautine o no ia tato. Aita rato i tebu, aita rato i hamet ei te tere rā imi rā fau fau te whenua, ua ha atopatari rato. Ki rā te pramau. E te am hana, ti roto wā rato i te rā wheru i rā, e ui pai tato i tato, te rā mau tarhauta tato i horo ei rato, te rā mau tauturu, nā roto tia mamar atute. Wo fa no ane te fenu. Te ro mai a te mana wo to te riri ro to tato mo fa tre ho no te te ani ro ya rato ha ta me na te tapura o hipo. Na ro to te mo to tru o te horo o hi te o fenu i te mo fa tu te ete. Ya i te me te tato. E fea ta me ai fa no. E fea ha mama ra tu te. E fea hei ra ro o hipo te chepu hi. Ei. Na ro tato maro pro. Pouru o te emhana, ai ti tepu, o te avaru. Vau tautini tā rato i te avaru. Noa tu e whanau rato i te matheiti hoe, maha ahoru miria nā rato i te auwhenua, te auwharani, e te temo tauturu atu. Tātou nā te whenua e whāri i te reira. A whea tātou e ara arai. Rofa o, te e te teime tano hā mārō parau. Ia tātou mō whanau rāti aore tātou e rawa nei. Ai te te nun ae māra māra māra. Te prouro o tio onurai tō umono. No te mea te tata whāpū, te tata o te ere, e ui api, te hia o mai te emhana. Roto trawhiwhi e ora hiara te mō tāwana aure. Roto trawhiwhi e ora hiara te uwhenua. Ai te tāua hiara. Aita, aita, aita roto. Te tata au hinaro he amaro. Hinaro tato e ha mauhu e whanhora api. Te tia turi ne wou anan hei. Whatetu wortu i tō torima. Tio uwherurira. No udara, e maro prou tato. Ki o tu e hata o tō momono. Me ohi e parau e nā o mō tātou, nā o tātou, iaka, 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 aita. E rau e pai. Nā muara e rau e, hi o poa. E hāta me hape o tā tātou i rau. Te emhana, te ite ra tātou pōrua. Ini eit whanhora aporitita ua hape tātou. Ini eit whanhora emir afofa ua hape tātou. Ini eit o rātou tiare ua hape o tātou. Tā mau noa e tātou tera whanhora, aita. Iau e hio, ti tauhia e whaapi te mō mea atoa. Tēnei rā not whaapi, ti tauhia e mārō prou. Hau te whaotira e rawehia. Te whiwhi, ai te mārō rā prou rutoi tatou. Toro rā prou rā. Ai te mārō rā prou. Toro rā prou. Whaino rā tata, murisi. Mārō prou rā tatou, hau, e rawehia. Tēnei no te mārō prou, ti tauhia tatou te mūtia no te aporarei, whatēto tatou mō mono. Ore rā, harme unē nie te motungu parau, horoa tuai. Te am hana, ia hei o wau kie mo o hupai tupu ura. O parau wai tau umamono. Te tia turi nei au e, e ara tato i mua. Tēnei te horoa rau waho e wheruri rā, no te whātua tira i to tato umamono. Ma te tia turi e te maramaramara ho e tuharai. Ai tā anei tato, ki rato i au e pretene, te mono pretene, te wheruri rā, whari i anei, e mono wheruri te, e mono parau parau. Ha tupu hu e huru
pro mana fautihi te ta atora resolution hein ta e no te mono ta te apora he e tura in eti opuara ture te ti aturi to ne tato we ne ne tato we ra vetara tara tara we patato tara na tato be faut e na te mana tiro to tato mi te pro me te par he ai te fo wa o di ai te fo wa e mon ora tara no te tau dru e tato ne ne ya ne tato we ro we Yau te papature roto o te aporar hei, nene tātou e hari o tauturura ai kiau whenua, no te paturura, nawhea, iri e tātou e hio e rawe amui ane tātou, ware rei cha. E mara mara mara, maruru, kia rohe arhei. Mano pretiteni, ia oera. Maruru mai te pretiteni. Alors, très rapidement, pour répondre à la collègue Sandra qui a pris la mouche, que pendant 30 ans, vous avez tenu un discours optimiste. On voit où ça nous a amené aujourd'hui. Il ne faut pas mélanger le discours de vérité que je tiens avec de l'optimisme. Je parle le langage de vérité, je vous dis la vérité. Maintenant, si vous ne voulez pas l'entendre, dites-le moi. Mais là, on va dissonner. On peut reproduire hein, les conditions de l'exercice précédent, et ceux de l'exercice d'avant le précédent. Mais ça nous mène où? Ça nous mène droit dans le mur. Il y a bien un moment où il faut se rendre compte, après s'être cassé le nez deux fois, ça suffit peut-être. Bon, nous, au gouvernement, on dit ça suffit. D'ailleurs, hier, on n'a absolument pas pointé du doigt l'État, bon sang. Même si l'État, dès le mois d'avril, a financé la Côte d'Ivoire, est revenu avec un C2T au mois de juillet pour continuer à financer la Côte d'Ivoire, a financé dernièrement, le mois dernier, le Cameroun, à coût de 40 milliards, 50 milliards pacifiques, même si ça a été fait, et oui. Vous savez, le C2D, c'est quoi? Je vous ai expliqué ici. C'est un contrat de désendettement et de développement. Formidable, ça. On développe sur une dette. On annule la dette et on dit maintenant, grâce à l'annulation de la dette, on va développer. Ça s'appelle un C2D. C'est des contrats qui existent là où Mme Beaulieu travaille. Pas habite, j'allais dire habite. Travaille. À Bercy. Eh oui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a besoin de se mettre d'accord. D'abord entre nous. Effectivement, je rejoins l'avis de Théorie. Il faut qu'on se mette d'accord. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas qu'on dissonne. On commence déjà à dissonner. Là, on va vous proposer de rendre un avis défavorable. Combien vont voter pour? Là, je viens de vous entendre vous exprimer. Vous êtes déjà positionné pour soutenir le décret, mais pas défavorablement. On veut secouer le cocotier pour dire à l'État, ça suffit. Ça suffit comme ça. Ils ont su faire sur l'extension du domaine public des communes. Ils ont rendu le manche au commissaire. Pourquoi, pour la fixation du prélèvement, ils ne peuvent pas rendre le manche également au commissaire, qui connaît bien la situation du pays? Le haut commissaire, d'ailleurs, que j'ai trouvé hier, très embêté par la situation. Parce que lui, il sait, il vit cette situation. Mais comment essayer d'arriver à expliquer à Bercy que ce qu'il pense là-bas, ce n'est pas ce qui se passe ici? Il n'y a qu'un seul moyen, c'est de faire comme on a fait en Guadeloupe. C'est de bloquer les routes, brûler les voitures, etc. On veut arriver là. Ben c'est pour ça que je vous dis, on fait tout, nous, au niveau du pays, pour essayer de trouver un moyen afin de conduire les choses normalement. Et l'État l'a compris. Alors comment l'État l'a compris? Le commissaire va partir le 20 pour retourner à Paris, resecouer les cocotiers et leur dire, écoutez, il faut revoir la donne, commencer peut-être à débloquer le prêt AFD de milliards pour permettre au pays de pouvoir aligner au moins ce qu'il doit sur le FIP, le prélèvement du FIP, au profit des communes. Et pour l'expérience de notre collègue Sandra, vous savez, le FIP a été créé par la loi 71-1028. Le premier prélèvement est effectué en 72. Vous savez comment? Mandatement d'office. Nos aînés ici ont refusé. Ils ont refusé qu'on prenne dans la caisse du pays pour financer les communes.
mandatement d'office. Voilà l'histoire du FIP. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est bien passé dernièrement? Ben parce que celui qui était à la tête du pays a baissé le FIP à 15%. Et oui, un FIP qui était à 25%, il a baissé à 15%. Ben évidemment, si on baisse le FIP à 15%, le pays rigole. C'est un peu ce que nous avions envisagé sur 2012, de baisser de 17 à 15. Mais quand on a vu le résultat et les conséquences que ce résultat allait générer, on s'est dit non, c'est pas possible. On ne va pas faire ça. On n'est pas dans un rapport où il va falloir faire la guerre aux communes et vous faire la guerre au pays. Non, on est dans un rapport où il faut s'entendre. S'entendre sur le minimum possible. Et nous sommes prêts. Nous sommes prêts à organiser ça. Et si effectivement c'est d'abord que entre le pays et puis l'Assemblée, il n'y a aucun problème. Nous allons dans les jours qui viennent préparer un petit comité et puis saisir le président de l'Assemblée pour qu'on puisse se rencontrer à l'occasion d'une commission ad hoc qu'on va mettre en place à l'Assemblée sur les éléments ou les possibilités de se mettre d'accord sur ce point. Concernant notre sénateur, c'est le sénateur de la Polynésie, c'est le sénateur de tout le monde, c'est le vote, c'est le nôtre, on en a deux, c'est pas que à vous ou que à nous, c'est à nous, ce sont nos sénateurs. En plus, on les a élus en même temps et ensemble, donc c'est bien nos deux sénateurs, c'est toujours nos deux sénateurs. Alors effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est pour ça qu'hier, je parlais du cavalier législatif, qui est une opportunité, une aubaine qui nous permet de modifier l'article 52 très rapidement. Monsieur Fleming, qui est un député UMP, souhaite apporter une modification à la loi organique qui prévaut à Saint-Pierre et Miquelon, au Saint-Martin. Donc, à cette occasion, M. Touayaba a demandé à M. Cointa est-ce qu'il était possible d'envisager, pour les points urgents, de pouvoir insérer un cavalier législatif à l'occasion du débat sur cette loi organique. Et M. Cointa a dit oui. Présentez-nous les choses. Et ensuite, Richard Touayaba donc, a évoqué la possibilité de ramener l'État un rapport 50-50 au niveau du FIP. Et il nous a consultés. Et là, on est revenu à la démarche de raisonnement qu'avait initié mon prédécesseur. On est revenu à la réforme fiscale des communes. La réforme fiscale des communes, c'est quoi? C'est une réforme fiscale sans pression fiscale supplémentaire. Et là, on va commencer à diverger. C'est pas une fiscalité en plus. C'est un partage de fiscalité entre le pays et les communes, à pression fiscale constante. Au lieu d'avoir des ponts fiscaux qui vont être prélevés par le pays, donc ça va être des cavaliers ou des curseurs qui vont être rétrocédés aux communes, au titre de l'autonomie fiscale des communes. Mais ce faisant, on a un problème. Parce que si on prélève moins, donc votre FIP va tomber, donc il va falloir compenser. Donc pour compenser, on revient à la proposition qu'a faite mon prédécesseur et on l'a fait en concertation. Parce que lorsqu'il a travaillé sur cette réforme fiscale, on en a discuté. C'est de mettre en place un minimum de péréquation dans un espèce de fonds. Bon, vous l'appelez fonds de compensation, on peut l'appeler comme on veut. Mais effectivement, c'est ce à quoi il faut arriver. Mais ce faisant, l'État à côté, il fait quoi? Ben, il faut augmenter sa charge. Donc ça veut dire quoi? Actuellement, on est à 12 milliards d'assiettes fiscales de prélèvement. Si on baisse à la faveur de la rétrocession de certains ponts fiscaux aux communes, donc ça ne va plus faire 12 milliards. Ça va faire peut-être, on va dire, 5 milliards. Qui va rester dans la caisse du FIP.
À côté, au niveau de l'État, on va lui demander d'augmenter sa part pour rester à 12. Comme ça, vous récupérez de la fiscalité. Nous abandonnons une partie de la fiscalité. On respecte le principe de la libre administration. Et à côté, grâce à la montée en puissance de l'État, on reste à financement fixe constant. C'est l'idée qui a été évoquée. Maintenant, il va falloir qu'on approfondisse cette idée ensemble, dans le cadre du petit comité peut-être, mais M. Cointat a proposé que pour faire passer les choses, on ne peut pas faire comme ça. Il faut qu'en contrepartie, il y ait une compensation. Et donc, M. Touayaba a proposé, dans ces conditions, on va récupérer certaines charges au niveau du pays. Et donc, ce que j'ai proposé à M. Touayaba, c'est, oui, dans le cadre d'une réévaluation de la DGA. Eh oui. Et là, M. Cointat a dit non, on reste à financement constant. Mais là, on n'est plus d'accord. Si on touche à la DGA, parce que lui, il veut faire financer par la DGA existante, nous, on dit non, pas question. Par contre, l'État peut effectivement apporter sa contribution dans le cadre d'une renégociation du volume de la DGA. Dans ces conditions, on accepte. Dans l'autre condition, on refuse. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous avez la compétence en matière d'assainissement des eaux usées. Vous avez la compétence en matière, vous l'avez déjà eu, de collecte. Maintenant, vous avez, en matière de traitement également des déchets, cette nouvelle compétence assumée. Vous avez la compétence en matière de l'eau, mais l'eau potable, et le haut commissaire commence à poser des jalons. 1er janvier 2012, le pays doit se rétracter du financement de tout ce qui touche au traitement des déchets. Donc c'est la CEP qui va se retrouver en difficulté. À moins que les communes qui ne payent déjà pas leurs arriérés viennent abonder, en plus de leurs arriérés, en plus de leur part de 2012, la part du pays que le pays ne va plus financer. Alors, il faut trouver un moyen, et nous avons trouvé un moyen, nous avons accepté de mettre en place quand même un système, parce que nous avons des déchets également à traiter, pour maintenir le flux de financement actuel du pays en faveur de la CEP. Alors, c'est pour dire tout simplement que ce n'est pas des sujets qu'on peut traiter comme ça en l'espace d'une demi-journée. Ça nécessite effectivement une commission entre le pays d'abord et puis l'Assemblée, et éventuellement plus tard, rencontrer l'État sur la base du consensus trouvé entre nous. Mais on ne dissente plus. Donc on va commencer aujourd'hui par l'adoption de l'avis défavorable en faveur du décret, des deux décrets qui nous sont proposés. Paru rumaitei lana te tonui teina mareura Eduard Fitch. Lana. Maru rumaitei peritetini. Meauro tatato tau ar apro te mana no te mea e fifi te ie parunga hea te fifi te uire e fifi e no to tau anunga. Rongo atu e to tato woman o tatei tei tatato e whaatura mai te ene. Ia whaar o o tō mōn o mātā mōro, ia apō mai o tō mōn o tō tātō mōn o pereiktini te e hoara mōn o hōp e haro. Nā o tō roi tō tā e o ai mai ia te reori, whaaro nei pe o ia tōni. Mia uro e uirai o ia tōni e mīpōp e haritura tātō e kiti amār anahi e ia. Parauno ai pei tātō tō parau teo wharang, le tā. Mōn o pereiktini whaatere heo, Temhana, tiretomo te eure, nous sommes devant un fait aujourd'hui, une réalité, où les finances des communes sont vraiment à un niveau où certains ont avancé des travaux, hein, vous connaissez, hein, nous avons des délais à respecter, et puis il y en a qui demandent maintenant à ce qu'on paye les avances de trésorerie qu'ils ont fait. Traïe, temhana. Malheureusement, a été moni à Hawa, rototra à Fata, Fipto. Mitraman otahiro proura, ta enoa tue trafifi, et fata tamaira a été noire, te ye hamana rahia te papature, notre mauro hupa, et notre mauro eure, fifi e ahua tre hare ahumaira, fa a m eu ahoutua,
Fifi Moni, notre mais il va falloir réinjecter et Moni, notre fait tout à Moni à Atmoro et pas Fifi Api à Yatra et Harry Mire Ham et au Doua et Fifi Fof Ahora et Tupura, Iroto, Ito Tato, Mo Ude. Autant notre mon en hero et de Proa. Ya triviot de Eliro ha amam ha ya tato mitito ya tato ya imit mo grav ya no te to turu a i to tato ne mo tamana no te ya no atu pro huia te to tato mo ide pra collectivité te ye na na eta na to ma huira i mai te mo tamana e fadere ra to tato mo ide ene na to ran na tato ho e ha pai to e to mo no te ta ko ra te hei da to mo tamana fadere ra to tato mo ide Nee, ik voel je niet aan nee. Je mag ook niet er heen. Ah, ik heb het over te gaan. Met je hoor je dat ook. Je hebt ook terug hier. Ja, apen met een toerato fifi. Witte mahana. Toen man aan het fip. Ja, op een. Ta een wat twee. Te mo opwaar a met een. Te etan op verdurig hier. Nog te mahana. Fijt je tot wat dat ook. Ik heb altijd te moet aan een euro. Om man. Ik ben er wel om man. Meti tohia tato iroto te mo area te titohia rata tato mo po hipai te taranira faitu to o te ofe nu et pora rato tato brata ona faitu to o te taran faitu to o te tarani no rio pora o te phadi te pora e o mo no e pora uravo faitu to o te tarani iroto tato iroto ti te to o e faitu to E uhare ro tō mon ā, i tui ua tahanga i te mahana, i te tau whātere heu e wō, e piheisho e te mono perektini, e ti au na parono te ure, i roto tra e piti matei ti harahia mai mātou, i roto hoa te ie, i te rā, te fifi, te topa topa anu atura ta tātou fōwha, i roto te awhata, o te hau whenua no te tauturu, aho e pra ure o parauro o tō mon ā, o roto te apo a mō whātere heu, ei. E tano pā e tū ho e whātei meira anhio te awhata tauturu rāt mō pra oire. Iha e i tōtō wāra pra tāmana oire e i tauturu rā ia rātō. Iha pai hare noa e hing aro no tramea, tramea, tramea. E roto te area pai matai ti hare hi atu ne mua. Fifi e nei e i te roa ahua i te ti a au te mō mea tātātō e hing aro nei e mono tre harera. Pēnā me wō unhio te parou no te whip. Te paraura o i monoprojekti ni tiau whenua whaaterera te mahana o tau, te whaaterera te whenua te mahana ai. Whai tui tui o fwog tuho ākwhi wātumo oire. No te mahana tā au paraura, tā e noa tu e tra whenuri a e hare mai e, e tātā ai, e tau i te ie, te i artikele pā e horu māpiti, tā e noa tu e te ria. No te mea, ia parahu ia te parau te tute, nā tui rātira, o tano o tau paraura, nā te nun ahoa e o fwora te tute, nā te au whenua, E oira i te ie e tuwa, whahoi ahautua i roto te mō oire. Tu nun ahoa te ie opere ahaura tātou te ie fōwha. Nā nun ahoa te mōni ene nā tātou, ene nā te owhenua. Whahoi hoa tā teitara, ia teitara ara. Tau ia mōna i te pēpē. Whaitoito, whaitoito. E poroi rāt o e tāwana mā. Whaitoito, tiare poroi tō tātou parahui rāti rāti tō tātou te hoa ārea tārani rā. Ie tō e te ia, hare, hare whāra. I roto hoi te e muarea mataiti ta tātou e tomo nei, te ria mō te mō wārea huero ai tātou e tomo nei, tātou pouro, te paraurawa, iai e hoi tātou poromo i au e nei aita, tara te mō te e tomo te me huero ai tātou e tomo nei. E tara hoi apae te nuare whepuare, te mō apae o e mō te ria, ai te reiro tomo nei e oro awhatat whenua, tara hoa whātere hauma. Me tia ia tātou e whaarato tātou nun ae, ia tārani me ama. Ara, i hapa i te rea whiwi hiau me nhiu i a tātou. Nō te me hiau o tu o tā tātou tāpura fōwha a whaini nē rā te mai ti, a atalamu pratu te a pipi e rama. Tau mona ho pēr, peritini. Te rea rido, trapai e ono a pē, parohu i a hara aita tātou nene a hau e hare tua tāpopa i oit whenua wharani, nō tā mea te whaini nē rā te mō mai ti rā ai. E mona o te ie, Tāpai mūt āta e te weira tātot āta e turu te e maetir a perektini, whaapirat perektini o tiauro e pūpuri te e te matei ti a imuanei. Rātu te meira,
harina porowe te tata e etapon hio tana porofo fowe e fat oma ona te tuho a theo farani fatu e a hoea dumera e ta theo fenua e mai ti poro ke tata te dia tata ya e malon te ie malon te ie pere kitini seria no malon ope amaru maruru tawana rairo ya oe Hei te ahoro mai te tātou purapurauna. Ai tā maruru mai te perikteni. I oneo i tātou tua tapapara ai te emhana te parauia no te ie tuha amuni i tātou e whata anena te mō oie pōrua te mataiti. Parau teito te ie. No te mea hamanao mai te tātou te mō oide api i whanau hia mai no te mataiti hitu hauru mapitira. E miteria mai mataiti te tūrahia mai te e whanhorana te awhata whipe o pō. Aitara i whirurihia i roto i te ria tau. Ia whiwhi te e awhata nā vai. E tauturu i te e awhata. No te mea tirito tato i te ria mū tau te tau o hune. E atoru mataiti te e mhana. To te tomitera te i te whaarara mai te mō tāwana. E tupu te whiwhi. Ede no tēnei trāparau. Atoru ngā teiti tō mātō tō mūrātā wana hare no arai tō mō putu-putu rā, yen hia mai ko tōmitera teitei. E whiwhi utau iro teitei e mūtau hare mai nei. Ai tā rā mātō i tāu arheiro. E tei e mhana, tīroto tō mō oirei te whiwhi. Tātātoia e aimaro nei te imhana. Tua hei tāuhina are porai a tātou, i āwharo tō tātou manao. I hare porai tōngi tērā teitei, i whaiari pāte e whanhor a tātou. I a tātou hare me ine no te aro i a tātou hio, ei te e hare, ei te e hare. Nā vai te e mohopo i ei hor o mai. Roto ahau ai te mō oire. Ma teiti piti tautini e mhara. Nā vai te pēui whāhoi wa ahau ai roto i te mō oire. Nā vai te pōpei whāhoi wa ahau roto i te mō oire. Tīne pōro tera mō tāwana tīne tīrito i tātou ware apora arai. Ai te tātou i pāto i te ria tau. Wau o porau ai te rātau ai te tano. E hate me i pāho nohia mai. Horohi atu te pehu e te moni, horohi atu te pape e te moni, e te e mahana. Te au e rea te tiri, horohi mai te e mahana. Ihe tā poni mūmuri te tera mō mea, whai te e mahana. Tīne tātou pōro. Ai te e mahana e pari ati tei, e pari tea. Tīne tātou pōro. Te parau no ti mira hau whaini e tō tātou whenua. I te e mhana tō tō tātou, i te raiwa tār hau marite. Te mātā mua, ai tātou e nūna ami marite moni, whenua moni. E te e mhana ti te rai me rai tu tāna tārau. I hei a tātou hoi poiti a whenua e tārau. Te ane hei tātou. Te hei nei tātou i tō tātou aru aruka. E nāri e dhiruri, e imi rā te rāwea, nā whea tātou ia matara i rāpa e au i te ie whiwhi. E iha e imi te rāwea, no te pōtaro ia tātou irto i te ie nō. E nōia te mēro āmai murio. Te rā te hipa e imi nā tātou i te ie mhana, te parau no te rā whip. Pātou i ngā, ui te rā uau, ia parau tātou, e i te tātou e whāri, E parau maha tōngi te ratei te hiwa te e uoti wha oti hiyo. O fōi hoa uto. E wha i te rā tātou i tō tātou mōna i te e mhana. Ai tā mātou e whāri i te rā whanhora. No te mea te whiwhira tāpura wohu a te hau whenua. Me maro. E te huwa tātou hame i ne maro e huti mana o e e. Te whiwhira, te whiwhira, wha i te whiwhira.
E mo tap o to patari tra, fei a to patari tra. Ai te mara, te praura onai moi te tato ara, e i te mara ai tato tra mo mana, fa hoi uru toi trima o tau frani. E tra ta au i tei o i te iamhana tona ura ara, e i te mara ai te mo uere, fa hoi uru toi tau whenua. E ha te e prera. Te rira te wahai tau hina are fahi o i tato. E mitra e prohi are teina, a imi a mui an e tra vea, e nene, e i te hi e tato tau ara veara. Tēnei, te paraumera te monopriteni, horu atu e tāpa ai tēnei. E ia turuhia te ie whaotira a tā oto, noroto mei, tatatou tomite roto. Tona ura ara, e patoi te ie proje, e tuhia mai. Ei, e nen he te whiwhia tupu irira. Mi te peo e patoi tātou, no te mea ua i te oe. Tara horu mahitu ni ho chanere, te rira te mea fufa a i te hiare roto, te monia o te horu a hiara nā te mou oire. Ihano te mea i te tātou e whaarira, e hi o mai rātou e te wera, ena rātou i te rā te whiwhi. Me te mea, tāu e hi ora, mi te poe pato i tātou i te e mhana, e nene he pā rātou e hawhiwhi mai tātou. Oia, no te mea tā te ture ahoru mapae niho janere. Te hamanara tātou tara ahoru mahitu niho janere, e te reira o te fofaa. Pourquoi le conteste sa? Nau hamata o tō i o fou. Mona wou, Ce n'est pas le bon coup, il y a été yéné. Fain yéné mette y tato, et il y a tout y tue opuara. Amoui na tato mitre prohiare, et il y a une résolution, il y a tawara pro na tato, et il y a tato fa y te papu et tato mono. Mite peu e hafifino tato mitre prohiare te mana, et pelti atamar itelina. Le tout y tamato hi ora. No ya, te hi ora mato rutu y te papatoi, mato et mato e far ida tra avide favora, mono mato, e vesho tra me hare, vesho hare te mana. Vesho e ia ofohia e ia mana. No te mea, tiroto ena te moni i te mautamana oire. E ha tua i te tatu e hina arore. Ha fifi rato, tra. Oire, pato i mato, tra. Mono, pato i to uto. Mara. Mono prete tene mana hopea, ma iti tua i mato. La indegna se te favore mi surreza di modifica sa se. E anira vau ia tātou paurua, ia turu ai tātou i te ie whaotira te tuhiara e moi otu, ia pato i amui tātou i te tumu, ai te tātou e whiwhi, no te mea e muni auwhohia e te rira. O ti te rira e muni te auwhohia. E whaatiti e wharuhia i te tuho a ti tohi a whaetiti ai wharo i au, te papair au te ture pēaharuma piti. Ai te whiwhi te rira. Te mea rā tāhin ārora, e atomaru tui te ie huru whaotit a tātou. Ia nenei pei tātou e whārere amuin a tātou i tomitera teitei, te tiau cheu hrani, tui tō tātou whenua, e whaite i ana,
imi o e trabea i chare a e tu o hare i dwahe i tito hi e a o i hare whenu o frani no te praur a e a hi o mai pai te fifi e tupu nei tu tu tato whenu o Rawe tō te teipa i tāna whaitu i tōr a no te whatupur ai, te prau no te tauir ai te irawa pa ahuru mapiti, ea tōna hōpear ai te imhana, ai ti tā o ia. Rawe rātou i tā rātou hin aro te ie ture mai ti rā. E tō rātou huana nei rā te ie i whiwita tātou i wharere nei. Te tāne e te wheine e ti hap o ia. Mai te mea e tupura i te whenua whrāni, wohi o nō rātou i tā rātou hi ora. E te e mana te e tātou e hare e aura namuri a rātou, no te anira, ei, wāpe o tui o, taui, nā o no i tātou, ei, ora wai pātara. Te e whiwhi tā tātou te whahitihi e tō tātou mō tā e, o te wharuruhi a tātou mai te tau mai, ora wai pātara, whai te pai teo whrāni e, ma te iti piti taua tēni ahuruma piti, ti tauhia, ia whaaforo i te ohipo. No te mea e ruru a tātou, te e tā tātou prau e tā tātou momanao, mi tā tātou i wharo atu, e wanu anei tātou i mua te prautura wo aita, mi te pe whae anō tātou, ni te e whanaor a, tā tātou e ite, ai te hoa tāpai. Mi te pe ue turu o tau, te e manao tātou i te e mhana, e ha maruru te o whrani o tau. Oia! Papu mai tei. No te mei hare tātou whareri a rātou, e prau rātou i tātou, ei, whaforo pa iau tō nā mua, ei te o tō whaforo. Te tururai te teipa, te patau nei te teipa. Hei tōna whowha, mi te peu e hare tātou whareri te ofrani, ua amā mā tātou. I prau e iau e, tra mana o tātou ai ti ora, e tia ona mi te peu ho oe tātou, whātura tātou i te tātāratai. Prauna et omi i hare tātou i o, hare i a tātou i o, te naora at omi, trat whauti i tātou i nāro nei, i a paturu mai o tō. Te pahono mai ra, hare amui tātou, e te teime mai ti rā, me e hoa tā mātou mai ti rā, me e hoa tā te tei mai ti rā. O hare, o nua nei tātou, te prauturu o aita. Teo whrāni, tā teo whrāni e i nāro ra, i a wai amamha anō tātou. I a wai amamha anō tātou. Tēnei mi te peu e turu, turu pērhei te e mana o tōtou, oa oaro e te hau whrāni. I hare tātou e mua i a rātou no te prau ai a rātou e, ai te mato e whāri te rina, nā o mai o a rātou e, o Māori pā e o tō. O horo mai o tō i te tei whāoti rā no te turu, aro mai o tō mua i a mato no te prau rātou, ai te o tō e tuatū i pāhau. Pahe tāno reiro. Trano e mana pretenei, no rira te ani whahau nei au e i a tātou pōroa tō te pēpātai. A turu, turu te ieopuar a te tuhi ara e mua i otou. I a whai te tātou tō tātou mana pātai i nie te rawera, o te huru, o te numerara, te tuho a te mo oire, te titohi e te au whenua, i a pupu a turu tui te i a whata whip. Ni te peu e te whāri i rā auto i te ieman o tūhi arai mō e tātou, a te hamaruru turaia, whātere rā whenua. Mi te peu e te pātou nei otou, hamaruru hoa e teo whrāni otou, no te mea tātrahoa tā rātou in ārora. Ia waino tātou rutu i tā rerurua. Maruru. Maruru mai te ei, hou tātou e mai te ei. Hou. Hou tātou a mai te ei. E hororo e piti mana hōpea. Sretini maruru, mana pretini. Heru, heru, ai te oi whahiti tura tō oi ua, no te mea tātā tō muri e ni tō ara. Namu mai? E namu atu heine. Ah, nā rira, nā rira. E bien que je sois pas d'accord avec votre avis, je souhaite que votre avis soit connu. Nā rira. Sandra, te aoera. Oui, monsieur le président, je voudrais juste dire que il nous est demandé aujourd'hui de rendre un avis favorable ou défavorable par rapport au taux de 17%. Vous savez très bien que le taux minimum, c'est 15% et que ce décret fixe un taux à 17%. C'est habituellement ce qui a été fait. En rendant un avis défavorable aujourd'hui, vous êtes en train de dire que vous êtes contre le fait de donner 17% aux communes. Donc moi, je ne peux pas être favorable à votre avis défavorable.
Donc je voterai défavorablement à votre avis défavorable. Voilà. Alors que vous avez payé. Donc ça veut dire qu'en plus, parce que vous avez payé et que si demain l'État disait, bah, puisque vous n'êtes pas d'accord avec 17%, bah, bah, vous mettez 15%, eh bien, il va falloir aller piocher dans la caisse de ce que vous avez déjà versé. Et là, c'est grave. Maruru tawanaruru tu. Ejini maruru. Monopetini yorana. Patreo yorana. Umanao iti pipiye. Etu me utu e piti e tumpur. Teye. Te tu atira tu dat manao in eite hari yamani. No te parau mana no te hapapur a in eite orma itu in eite handere. Tatatu fip no te moni e fatopohir di avata tumau oiri. Iti tu atin iti perahu tatatu e hartatu mai. Ani raho e mana perahu ia resolusi. No te tatu ora perahu e mai dia. Tei iti tu ati. Nari lo. Maruru mai te iti mai dia tatatu. E te ani ra matamu. Ini iti e nei perahu i opere hier tu tu tatu rima no te pato ir aia. Te mana o. Te ani rawo iti mau tatai far ira iti e nei mana o pato i afa itu ratu rima in ea. Piti ahuru e maiva. Te feia e ore re fari te e mon o patoi. Te aura te e patoi ne te mon o patoi. Ahuru maiva reo. Te feia e faia muhu ore no. Feia e faia muhu ore no. Deux abstentions. Abstention. Contre. Terira. Ahuru ma. Heifara. Abstention. Ho ereo. Ahuru ma au i pato eit man o pato eit. Ho eo te fae amu ho ore no. E piti ahuru e mai wa reo o te fari eit man o pato eit. Nenhe o e teio. Maruru mai te. Tātātou tāpura ohipa hōpea i te tei ora ai ei te mōrata e i tēmei o tātou, e te anineo i papai praurhei, ia tei o mei te rira. I te pretetini e, ia upreia i te tātou ora i te mōtia, i roto i te rātou pui prau, te tāpura o te mōrata, te tēmei i te aporarhei, no te ahurma iwa no atopa, piti tautini ahurma hoe, e te atu i te iwa no noema, piti tautini ahurma hoe. Maruru mai tei. Wa te tatu e te hopea o tatu rurura, e hiro te wharere mana hopea. Ai tia, maruru te nga piti ahoru mai ware o te whari e maiti te mana o patoi. Te itera tatu te whiwhiro toi tatu. Noa tu te nawe nawe o te parau, te pāri o te wherurira, te tano o te parau, te mo opuara, te vaino ara hoa te ra huru a mamhaaro te tatu. Te ra hoa te ora rāporitita. Te mana ora te imohi e tu i au te emhana i mua i te tātu ora. E te oawana e uau whaewha hoa mei te teimo tāwana piso i tatu. Hani e me euraro mai te tātou te parau te ora rāmana hune. E whae te tō mei te mō tāwana mero no te amui te ira o te mō tāwana ure. E tu o te rāmana oir tui ratu. Pahono me vai. Ha tēme rato i te rato mou mono. Tā e noa te mō tāwana ure, mero no te apora ure. Ti tia ti proto rato mono e maruru ia rato. Maruru, maruru, maruru ro. Hai o nei muri tato. Oe te mō tāwana ure ti harmoi. I roto ho e rurura fauwha no rato e nā rato. Tā pohoa ai te tarato weira i roto i tato. Toi te orat apori tita o te whenua nei. Ho e huru tā e rā. Apo ane i roto i te mautia o te heo whenua, apo rarei, e te mau tāwana nātou i tā rātou a mui teira. Me pepeero, me te whahamon ohi a te mono pretene, tuhia tū te teimon o i te rā rā au ae, i te rā rūrū a i mataia, ai teirei, apo, ea te tumu, mi taibro i rau anei, ai ti apo mai te parau, wohi ora te tāta, tō tātou te rawhiwhi, te roho e rai. Maruru mai te, e wharerei a tātou i te mahana maha, mahana mata mua no titema. E roto i te rere rurura, e tua tapapa tātou i te mou ture whenua no te aruta i marewa. Te reheira i o te teimu. No rira maruru mai te i tō tātou wharere rā, maruru mono pretitene, tātere hau, te mou hoa,
Ya mai te o tu itu rora o te imhana, yorana.